samedi passé, et grâce à Dieu, on a annoncé 20 gros bagailles. Bien que nous connaissons, nous parlons période cyclone encore. Nous parlons période cyclone, mais cependant, d'ailleurs, c'est printemps qui commençait, et c'est pas période cyclone, mais pendant tout le reste de l'année, nous avons gagné pour nous faire face à des situations de détérioration des conditions atmosphériques qui a toujours porté vent, qui a porté de l'eau, mais ça va parler de ces cyclones, pourtant cyclone n'a fini pour l'année. Hein. Nous obligés toujours été sur les qui vivent, d'autant que avec un bon effet, que nous toujours parlé tout le temps dans l'émission, ça, gaz à effet de serre, etc., réchauffement climatique, phénomène El Niño ni la Niña tout, gen la Niña tout. Tout bagay ça yo fait que saison yo pas normal tant que yote kon yé longtemps, tant que yote kon saison pluvieuse, saison sèche, li pas normal gagnen atmosphère là de temps en temps qu'a présente des variations qu'on pas habitué avec qui provoquer la pluie. Le pas qu'on gagne la pluie qui provoque sécheresse tout, le pas qu'on gagne sécheresse, donc qui fait que bagaille a changé n'amène, qui fait que nous sommes recevoir volume la pluie. On était surtout bien des inquiétudes pour le vent. Heureusement, il n'y en a pas eu, en tout cas pas en quantité pour dévaster les plantations dans les autres régions du pays, mais par contre, dans le Grand Sud, pour Goural, nous sommes j'ai fait hier, Lovensky, pour nous expliquer pour qui ça, le Sud, particulièrement ville Koué Jacmel et Okaï, la plaine des Kaï, très exposée, très vulnérable, c'est presque pas à cause de temps, c'est parce que pas de gain politique d'aménagement du territoire, et qui te permettent que nous te connaissons qui bon nous fait jardin, qui bon bien route, qui bon bien ville, tout bagay, nous fait bagay yo, n'importe qui jan, qui fait que nous arrivons dans le phénomène si là. Les experts dans le domaine, nan Pascal, ils ont dit que même les font terrain football, vous ne pas compte des bagay, mais tout bagay yo, il y a une science qui étudie. Lorsqu'on font terrain football pour mon jouer, faut ou analyser tout angle. Peut-être que bon forme terrain on doit joindre ou pas qu'à faire terrain à la donne parce que j'en y a s'il est perpendiculaire par exemple à tel phénomène soleil etc. M'kafel. Mais si j'en terrain situé à, par exemple le gain et soleil, c'est dans yeux joueurs ou dans yeux gardiens à la pied, ou pas qu'à faire le temps, ça faut analyser tout bagage ça. Est-ce qu'on va qu'on aurait gain de match qui qu'on a joué même sous plan international? Gardien son casquette, il est obligé maintenant de mettre parce que le soleil est capable de régler si on pas fait la nocturne. Les agons déformations, ça veut dire que tu es mal analysé angle terrain hein, pour te connaître. Est-ce que c'est comme ça pour te faire? Est-ce que c'est comme ça pour te faire? Pour tout bagaille, ça, c'est des bagailles qui sont bien analysées. Malheureusement, Haïti n'a pas gagné de penser. Même Vilio, je m'a toujours dit ça chaque jour, non redondant, non répété. C'est pas le Pascal Lorensky, Wilnes Vinval, Etienne Finfekay nous, et puis laisse ça chercher côté nous pour nous faire route la passer, et côté nous pour mettre poteau électrique, non, ville pas construit comme ça. Au contraire, c'est infrastructure mettre en place, c'est disposition pour route, pour toute bagaille, service, côté où il y a passé, drainage qui voilà, fait pour qu'on ait caille, non? C'est comme ça qu'on construit. La modernité, c'est ça, l'exiger, que toute disposition, ça, on déjà prend, et c'est eux qui disent, mais qui ne peuvent pas gagner caille, mais qui ne peuvent pas gagner. Mais nous-mêmes, par exemple, regardez comment la plaine, acheter terre, mettre caille, mettre ceci, ça, on peut qu'on ait route là. On tape by blague, on s'en mime, qui peut être à l'écoute, qui font un investissement monstre. Investissement monstre dans plein nan. N'importe qui te café, moi-même te café le tout, c'est pas où elle fait. D'ailleurs, c'est banque qui prête pour le construire.
bak lan fè yowè a tou. Sa k pase fè ke nou se jwenn an bèl porsyon tè. Et puis d'ailleurs on a fait crédit avec Banque là pour l'assurer que investissement c'est qu'un investissement à fond perdu la pied ça blanc fait ça Banque là livrer des experts à l'analyse des terrains pour le côté balbati carré la route etc et puis l'elba ok le qu'on y a approuvé crédit pour bon, permettre de construire là mais il se trouve dans le cas de mon ami effectivement toute démarche a été accomplie mais mon seul erreur que peut-être j'ai pas pensé c'est que Haïti son pays qui a évolué de manière archaïque c'est que monde qui vend ni terre dans zone et tout voisinage côté au dit route là passer a pas gain capacité vraie pour intervenir sur ça pour décider effectivement c'est trajectoire route là. Après le monsieur, pendant monsieur fin fait gros investissement prêter gros l'argent bâtir un coquin chaîne caille et puis le monsieur garder pour la caille ils sont SS comme ça pour le rentrer nous on prend toute route là au bâti tout côté que de route là qu'on y a son chemin raté au quitté avait dit si la sortie la caille faut la klaxonner pour l'assurer que ça claude bon dans carrefour hein pour le temps parce que si on vini au bé à croiser c'est bac pour on faire net sorti juste dehors c'est comme ça haïtien hier nous yo tellement remetté yo pas quitté route pour citoyen sorti et dans l'esprit pa yo Pascal bon baga di haïtien c'est l'état pa gain c'est l'état de missionnaire parce que Jean de bagay ça c'est l'état pour décider yo bagage ton père c'est moi qui dit bon m'a quitté 2 mètres là pour route là ou même m'a quitté 3 mètres c'est pas où pour décider c'est pas où c'est l'état qui gain plan d'urbanisation de ville et puis il connaît que ça c'est un petit village secondaire, il n'a pas besoin de boulevard, mais au moins il a besoin de voies, on voit sortir, on voit rentrer, avec s'il le faut, un petit trottoir, c'est l'État qui a décidé. Mais moi ici pas attendre l'État, et l'État même tout démissionne et tout, parce que l'on prend service voirie, l'on prend service génie dans les rio, c'est surtout comme il y a le toucher. Ou te met fèl nan la rue, elle prend comme c'est comme la debout capé permis de construction dans le baou, il va un problème avec ça. Donc et puis n'a pas diable fait gros investissement ça. Il même on t'invite moun vinn la caille parce que c'est corridor pour ou traverser pour réussir et puis là arrive au jeune château sans don dit quel gâchis. Quel gâchis pour qui ça son gâchis lié? Parce que son investissement perdu lié. Parce que si demain levé ou doit vivre en Kaisa ou presque pas qu'à vendre même moitié sur ta investi la donne pour qui ça parce que mon n'a pas acheté Kaisa il pas pas louer pour c'est dans corridor la passer pour vivre dans château faut château à visible faut le route faut le infrastructure donc c'est comme ça nous construit ville là nous construit pays là donc c'est vraiment très 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 inquiétant alors jodi an n'a tourner et sur dossier Guy Philippe là puisque c'est dossier qui fait la une de l'actualité. Il fait la une de l'actualité, n'a présenté et alors avec un parce que m'étais dans tête mais pour me deviner avec texte anglais et j'en soutiens information communiquée par et la justice et américaine est confirmée par l'ambassade des États-Unis mais il se trouve que le nouveliste a fait un bon travail et l'autre côté moi qui font un bon travail et tout qui font traitement de texte en anglais ça qui va lire en français et me penser que nous qu'a servi à elle pour nous présenter les faits bien que nous croyons que depuis hier tout le monde édifié sous situation qui vivait hein, avec Guy Philippe nous pas trompé nous sur ça donc j'ai me dit ça très nettement ici hein moi t'ai dit c'est vrai moi t'entendais avocat Guy Philippe d'ailleurs gain youn nan yo et que nous gain rapport avec elle qui sont haïtiens d'ailleurs qui collaborer en haïtienne nous t'ai gain information que Guy Philippe qui t'a bon plaidoirie qui t'a basé sur que le pas coupable il t'a pas plaider non coupable donc j'ai fait une très longue émission sur ça on dit OK on comprend ni c'est lui même à conscience lui qu'a connaît si jamais Guy Philippe connaît que de près ou de loin il était moyen
un kilo seulement de cocaïne et que cocaïne ça été transféré aux États-Unis, s'il plaidait non coupable et que des preuves qu'il était impliqué là-dedans, la courir un risque énorme dans prison qu'il capable jamais qu'à remettre les délits. Par contre, s'il plaidait non coupable, s'il plaidait coupable et que les collaborer, il a réduit sa sentence puisque c'est comme ça justice. C'est pas pour faire drogue, justice américaine, c'est comme ça fonctionner net. Dans tous les cas, depuis ou coopérer pour permettre que yo arrêter l'autre monde qui mérite arrêter dans cadre même dossier pour on a des pour coopérer qui sont bagaille que me paraît mais c'est la délation. Ou vient tourner un délateur qui livrer tout jamais les LED. Mais c'est comme ça justice américaine fonctionne. Il faut l'humilier tout. Parce que là, ça, c'est humilié. Par exemple, des sorties à Pascal, nous étions en opération, nous c'est deux frères. Malheureusement, nos opérations en ont couru. Puis Pascal, puis bon passé, lui sauver pour lui, puis c'est moi qui reprends. Même pas révolutionnaire pour me camper, me dit, je préfère mourir, pas plus livrer en mien. Mais, il c'est pas fait ça pour vous. Et c'est ça que je me dis. Ou est-ce que c'est menté si nous voulons Guy Philippe pour le passer aux aveux? Je l'avais dit ici. J'ai dit Guy Philippe pour le passer aux aveux. Parce que, nous y a comparé là avec lui. Guy Philippe très loin pour le monde, ça y est. Tant que vous me répétez, Jean Tel, encore que tu as dit, c'est un coup tout saint l'ouverture, me dit, j'ai bêtisé avec les héros de l'histoire nationale. Et Guy Philippe a pas l'accepter pour le manger prison red. Et puis pendant temps ça, moun que peut-être li konnen ki gen rapport ak drogue la, même j'avais le tout, et puis y a prend plaisir ici, j'ai pas capable jamais faire le pour. Di pa gen dimension révolutionnaire ça, pa gen dimension leader ça pour le tafel. Et j'étais en République dominicaine avec Mathias, avec tout Edwin Parison, les informations ont tombé, me dit sans surprise, je l'accueille. Moi accueille sans surprise parce que me connais Guy Philippe t'a passé aux aveux. Naturellement, je ne connais pas si il y a une grosse responsabilité. Je ne connais pas si il y a aussi lourde. Parce que Guy Philippe, son est toujours clamé au effort que si il y a besoin, il y a arrêté, il y a une ambassade là, côté de la drogue, ça ne va jamais rien, ni de près, ni de loin avec la drogue. Mais mon inquiétude dans l'histoire, c'est que je me suis toujours dit, pour qui ça, la dit et pas ciblé, il y a besoin d'arrêter. Pour qui ça n'a pas ciblé Lovensky, n'a pas ciblé Patrick Monsignac, n'a pas ciblé qui est encore, et Baronet, et Bob C, ou bien Baronet. Est-ce comme si c'est au hasard, y'a ciblé Mounkosa et puis y'a trompé, yo? Mon cher, États-Unis, ça me connaît en termes de renseignement, c'est ton bluff. Donc même pas de gens me croient, non. Non, Guy Philippe qui t'a clamé, oui, il faut qu'elle soit toujours innocente, bagaille ça, etc. Parce que pour faire toute vie pendant 10 ans, que dit a traqué ou plusieurs opérations faites dans Pestel, dans zone de Prodeo, et puis tu n'as rien à voir avec la drogue. Ça m'a toujours surpris, j'aime qu'on entende ça. En tout cas, Guy Philippe, comme on pouvait s'y attendre, comme moi-même en tout cas me attendre, il est passé aux aveux le dimanche et lundi, et Guy Philippe, 49 ans, ex-haut gradé de la police nationale d'Haïti, a plaidé coupable de blanchiment d'argent provenant de trafic de drogue international devant la juge fédérale du district sud de la Floride, l'entendez de ces femmes juges, tête chargée, Cecilia M. Altonaga. Lundi, ouais, et surtout hispanophone, ça, lundi 24 avril 2017. En courant jusqu'à 20 ans de prison, c'est ça le tape qui tape la pancourie, bien que l'avocat l'a dit, il était quand même prend perpétuité. La sentence de Guy Philippe sera prononcée le 5 juillet prochain, c'est là, ça n'a pas compte combien de temps gain, selon un communiqué de l'ambassade des États-Unis citant des fonctionnaires de plusieurs entités fédérales impliquées dans la répression du trafic de drogue et de blanchiment d'argent en rapport avec le trafic de la drogue. Guy Philippe a indiqué le communiqué, admet, c'est lui-même qui a avoué,
avoir utilisé son rang et son autorité pour sécuriser des cargaisons de drogue arrivant en Haïti en échange de paiement. Ça veut dire drogue qui sort de Colombie, que monsieur sécurisait cargaison et que au pays il vous a comme commissaire police. Ça veut dire les prennent côté drogue là tomber en anti-avion. Hein? Les son commissaire police, ma machine police qui potel, police pas pral kengo, pas gen risque pour arrêter, etc. Donc, il pas fait pour compte li. L'ex-commissaire de police dont les aveux sont consignés dans son entente avec la justice américaine a reconnu avoir reçu entre juin 1999 et avril 2003 entre 1,5 et 3,5 millions de dollars de trafic de drogue, tout en sachant pertinemment que cela constituait le paiement de la vente de cocaïne à Miami, en Floride et ailleurs aux États-Unis. Guy Philippe poursuit le communiqué, a aussi admis avoir partagé une portion de ses paiements avec des officiels de la PNH. J'avais dit tout le ça, yo, yo met comment c'est gagné aller. C'est bah non yo, mais en nous attend nous. États-Unis tellement avancé dans enquête ça yo. C'est pas révélation non Guy non moun Guy pral fait qui pral fait au gain dossier sur moun ça yo. C'est de moun pou met kwèm que États-Unis a compilé dossier déjà pour yo et que ça, information Guy Bayo, tout simplement corroborer ça a été déjà gagné et a facilité tout arrestation. C'est sûr que dans les mois à venir, vous parlez que DCPJ, site autorité, vous parlez recevoir mandat international pour l'autre citoyen encore, sans doute que vous êtes déjà connu et que Guy gagne les bails. Donc, lui admet que dans COB Sayo, il était by des officiels de la PNH et d'autres membres du personnel de sécurité pour s'assurer de leur support dans la sécurisation d'autres cargaisons de drogue pour ne rien aider. Guy Philippe a reconnu avoir utilisé l'argent de la drogue pour acheter une maison à Broward, en Floride. Le communiqué de l'ambassade des États-Unis a en effet indiqué que Guy Philippe a transféré 376 000 dollars provenant de la vente de cocaïne de Banque d'Haïti d'Équateur à son compte conjoint à Miami. Il a utilisé d'autres noms lors de ces transferts pour ne pas être découvert. Ça veut dire les commandes de Lorenzki fait transfert pour lui pour ne pas éveiller de soupçons dans une autre transaction. L'ex haut gradé de la police a fait des dépôts de moins de 10 000 dollars US. Ça le dit, s'il a déposé trois plages, il a posé la question. Donc il était là 10 000 de temps en temps, 10 000 de façon pour pas éveiller soupçons. Le montant total avait excédé 70 000 dollars US. Guy Philippe a mis de côté sa responsabilité de protéger et servir le peuple haïtien. Il a plutôt abusé de sa position et de son autorité de haut gradé de la police pour sécuriser des cargaisons de drogue et faire du blanchiment, a indiqué le procureur du district sud de la Floride, Benjamin Greenberg, dans ce communiqué. Il est important que Guy Philippe accepte les conséquences de ses actes criminels en association avec le trafic de drogue contre les États-Unis et le peuple haïtien, a dit l'agent spécial de la DIA, Adolphus P. White, soulignant que peu importe le temps que cela prend, les autorités américaines et leurs partenaires à l'étranger ne se lasseront pas de rechercher et de traîner devant la justice des responsables de trafic de drogue et de blanchiment de l'argent de la drogue. Les autorités américaines ont loué
La coopération de leurs services avec les autorités haïtiennes et la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants de la PNH. Cette investigation internationale démontre la possibilité de réussite dans l'identification et la production de preuves en béton contre des membres d'organisations de trafiquants de drogue et de responsables corrompus, a indiqué Mathieu Donahue, agent spécial en charge de la division caraïbéenne de la DIA. Guy Philippe a violé la confiance du peuple haïtien, des gens de la Caraïbe et les États-Unis en profitant, a-t-il soutenu par rapport à tout ce que nous avons appris dans ce dossier. Nous pensons que Guy Philippe a pris la bonne décision pour le résoudre, a confié Alan Worth, l'un des avocats de Guy Philippe à l'extérieur du tribunal, a rapporté un article du Miami Herald. Il y a notamment même avec Jacqueline Charles qui d'ailleurs écrit article ça à tout avec confrère Ali. Et c'est que avocat Guy Philippe yo dit, l'elle dit par rapport à tout ce que nous avons appris dans ce dossier, vous pensez que Guy Philippe prend bonne décision pour résoudre lui. C'est comme si avocat avait dit son dossier était trop lourd en pile. Que Guy Philippe fait prendre bonne décision, elle est d'accord pour le collaborer, dit sa avocat a dit. L'entente avec la justice américaine permet à Guy Philippe d'échapper à une condamnation à perpétuité, a expliqué son autre avocat, Zelichka Bozanik, qui a dit, je suis brillant. Brillant avocat Zelichka Bozanic, brillant avocat. Et c'est monsieur qui dit, bien que m'pas pense à perpétuité du tout, et m'pas rendre côté monsieur prendre, m'pas croire dans le dossier à t'édouer d'une perpétuité, mais s'il dit, c'est lui qui maîtrise les questions. Même après l'arrestation, le président haïtien Jovenel Moïse, qui a fait campagne avec Guy Philippe, en dépit de son statut de fugitif, a employé de proches supporters de Guy Philippe à des postes clés, parmi eux, le chef du parti de Guy Philippe, Jean-Tel Joseph, meneur d'une manifestation de protestation devant l'ambassade américaine, nommé à un poste au gouvernement en charge de la sécurité, lit-on dans l'article du Miami Herald. Miami Herald qui dit, même après au fin arrêté Guy pour drogue, Guy Philippe qui t'a fait campagne à Jovenel, bon côté, voilà que même administration ça a nommé un poste secrétaire d'État sécurité publique un citoyen qui c'est chef parti Guy et t'a fait manifestation devant l'ambassade américaine. Avant le changement de la stratégie de défense de Guy Philippe, le Sénat avait voté une résolution pour dénoncer l'arrestation et la déportation. Les sages, entre guillemets, n'a parlé de sénateurs, avaient recommandé la mise en accusation de Maître Camille Edouard Junior, ministre de la Justice. Les sénateurs n'avaient même pas pris la précaution d'une condamnation de principe du trafic de stupéfiants dans la résolution. Ils ont même condamné le trafic d'ogles. Ils ont juste demandé pour mettre Camille en accusation. Mettre Camille en accusation, ça veut dire chambre députée hein, qui votait la mise en accusation de Camille pour juger parce qu'il remet un trafiquant d'eau. Le chef de la police, Michel-Ange Gédéon, avait refusé de présenter des excuses comme l'exigeait le Sénat. Moi-même, il m'avait dit qu'il préférait démissionner tant pour le tafond bagaille comme ça, parce que lui, c'est droit de combattre. Comme un pied de nez, le chef de la police avait affirmé que les trafiquants de drogue seront arrêtés. M'a tourné sous Sénat. Guy Philippe, inculpé comme l'auteur intellectuel de l'attaque du commissariat de Caille en mai 2016, avait beaucoup d'alliés, dont le président Michel Martelly,
Avec celui-ci au pouvoir, il a affirmé, et antiquement amiral, il a affirmé jouir d'un sentiment de sécurité, d'un sentiment de sécurité sans manquer une occasion pour danser l'ex-président René Préval. Sous Préval, Guy Philippe a prétendu que les opérations de la PNH et de la DIA visaient à l'assassiner. L'ex-commissaire de police qui a finalement enlevé son masque devant la justice américaine après 10 ans était dans le collimateur de certains enquêteurs intègres de l'inspection générale de la police. Commissaire de police de Delma, puis commissaire principal au Cap-Haïtien, il a été inquiété par la police des polices, c'est lié à l'inspection générale là, l'enquête de l'IGPNH. L'IGPNH avait jeté une lumière crue sur Guy Philippe et sur un réseau de policiers de mèche avec les trafiquants de drogue. La rencontre entre des policiers et des trafiquants de drogue à l'hôtel Le Voyageur à la Plaine du Nord et l'atterrissage d'un petit avion dans le secteur avait fourni des indices et des preuves en béton contre ces réseaux. Ces hommes en uniforme utilisaient la route 9 comme piste et d'autres pistes d'atterrissage à Brache, Léogane et d'autres endroits dans le sud, le sud-est et le nord-est, selon des sources proches de ces enquêtes. Installé en République dominicaine où il a été un temps sous surveillance des autorités dominicaines, Guy Philippe, selon des témoins de l'époque, était visité par des hommes politiques haïtiens impliqué dans le mouvement pour renverser Jean-Bertrand Aristide en 2004. Guy Philippe, chef de l'armée du Nord, assisté, entre autres, par Louis-Jodel Chamblain, Ravix Ramissin, Biter Métayer, Wilfort Ferdinand alias Tiwil, est le héros en février et mars 2004 du groupe des 184 de plusieurs hommes politiques de la convergence démocratique d'un ex-patron de la chambre de commerce en extase et d'une frange de la société apeurée face aux dérives du pouvoir Laval. C'est des chimères qui mataient toutes les contestations. La réputation sulfureuse de Guy Philippe était connue. Le chef rebelle n'avait pas pu entrer au palais national. Sans ménagement, Guy Philippe a accusé de trahison les principales figures de l'opposition à Jean-Bertrand Aristide, l'un des régimes d'après 86 à avoir eu le plus de policiers et d'officiels impliqués par la justice américaine dans le trafic de stupéfiants. Les trafiquants utilisent toujours Haïti comme une plateforme pour faire transiter la cocaïne vers les États-Unis. Des forces armées d'Haïti à la PNH, cette influence va crescendo alors que la justice haïtienne n'a jamais poursuivi ou cherché à poursuivre Guy Philippe, encore moins les rares inculpés de trafic de la drogue. Voilà, tout ça nous est dit sous dossier, hein? En tout cas, tout ça qui écrit, le nouvel liste, l'ambassade américaine, Miami Herald avec Jacqueline Charles, l'autre confrère. Voilà tout ce qui a été dit sur ce dossier. Alors, à nous font-ils retourner sur le Sénat? Moi-même, je n'ai pas compris. Et je ne comprendrai jamais l'attitude des sénateurs. Je ne comprends pas la résolution ça. Même à travers le temps, je ne comprends ni toujours. Alain, si tu restes en ligne, tout à l'heure, n'a pas fonti parler, mais traiter en ligne. Ou bien, relève maintenant 10 minutes encore, Alain, m'apprend en direct, pas de problème, en 10 minutes encore. Oui, alors, je ne comprends pas, je ne comprends pas, et je ne toujours pas comprendre l'attitude de nos sénateurs. Je ne comprends pas. Je parle à plusieurs dans yo et je ne comprends pas comment un Sénat fait réunir pour voter
Bon, en fait, est-ce que besoin de tourner sur l'histoire ça? Parce que je dis tout ça, je me dis tout ça déjà. Je vais juste rappeler les points forts de ça, je vais discuter. Je vais dire ça, c'est na à critiquer à Lovensky. Je vais dire on liste de monde qui déporté en Haïti déjà. Et parmi eux, c'est mon ancien président Sénat. Ça veut dire, c'est pas sous Kagi Philippe Lan Sénat a sauté sous ça. Deuxièmement, on dit Sénat, gouvernement tête caléa, critiquer parmi Edouard Junior le fait que c'est lui-même qui était autorisé à la avec Guy. On devine en liste. Presque tout ministre de la justice qui passe ni pouvoir ça qui là yo tout te signé gende negwe pa kap qui a envie shooter sous bagaille là yo pas capable passer yo même tout te signé yo nan tête moi là gende nek parti yo shooter yo obligé rete en réserve parce que yo te ministre justice et yo te signé pour négaler tout donc m'a même carré les ça hypocrisie parce que son bagage qui nous saute aux yeux ce qui s'est passé et c'est parce que m'a pas ciblé de monde personnellement mais il y a deux monde dans Sénat que me connaît pour compétence pour intégrité jusqu'à présent m'a pas qu'à comprendre comment on fait rentrer dans une dynamique comme ça parce que avant voter une résolution pour condamner un bagage la première chose que vous devez vous demander est-ce que c'est la première fois bagage ça a fait. Si ce n'est pas la première fois, pour ne pas faire hypocrisie, et tout le monde qui a déporté, c'est haïtien, il faut prendre l'autre forme de résolution. Et ne pas mettre Guy Philippe là-dedans du tout, ou bien si je mettais le faut mettre nous dénoncer tout ça qu'on fait, et puis nous dit, on va toucher la plaie du doigt, nous va manier texte qui permet que l'autorité américaine doit venir prendre un monde sur le territoire noir. Nous avons dit divergence à Metséan, qui est un ami, son est très élégant, très stylé, très civilisé. Et c'est ça qui fait l'homme qui a une divergence ensemble avec elle. Non seulement qu'a traité la radio, même qu'a traité avec elle tout. Et c'est divergence là, pas voulu dire, divergence ou désaccord, pas voulu dire opposition à Metséan, parce que son monde n'est pas en pile. En pile bagaille que me remet la Kaeli. Mais lorsque le jour même de l'arrestation de Guy Philippe, nous t'attendons intervention médecin, quoi c'est sous métropole, le lendemain, j'ai commenté cette intervention, m'a dit que je suis pas d'accord à médecin. Même Jean-Tou, Serge, je suis pas d'accord à Serge tout, parce que Serge. Sale canson dans le dossier ça, Serge Pierre-Louis. Mais parce que le studio a fait me parler, parce qu'on n'aime pas critiquer mon fort. C'est le monde là qui critique. Et parce que le studio a été critiqué, a fait compte à Serge pour le dossier ça. Pour qu'ils ne soient pas d'accord. Ou pas rentrer qu'on y a, non? Le matin, on ne va pas faire tension monter là, sous compte. S'il vous plaît, bon, 2 minutes pour me finir dire qu'ils ne sont pas d'accord. Non, ou pas avoir de réponse. C'est pour le bailler dans le tribunal fédéral Miami, district sud de la Floride, devant Cecilia Altonaga pour le bailler. Pas de même, pas le bailler, pas le bailler, pas le bailler, pas le bailler, pas le bailler. Mais c'est un, non, élan, vous comprenez? Vous comprenez? Et c'est ça que ça me dit que c'est pas un monde, moi j'aime un gros désaccord avec elle, parce que je ne crois pas que le méchant n'a rien que le fait, ça le fait. C'était conscience citoyenne ni c'était un élan patriotique qui a frappé nous toutes. Bon Serge même déjà comprenne ni côté opposition Max Serge c'est côté lié à la même moi c'est une affaire patriotique propose socialiste li avait dit pas jambe d'accord pour blanc américain vienne prendre mon ici quel que soit mon là c'est problème ni ça c'était problème et médecin te dit dans le document ça que Madeleine Albright a signé avec l'autorité haïtienne, nulle part, il a dit que les États-Unis ont droit de venir prendre ici sous territoire pour y aller avec elle. En fait, c'est une raison.
Lèl di sa. Mais côté médecin gen tort. Ni sais pou, du moins c'est ça me penser. C'est que c'est pas sous chapitre ça que Guy Philippe déporté. Sous qui chapitre déporté? Pour moi qui légal tout, c'est que Haïti avec un bon autre pays y compris les États-Unis dans Interpol et ils ont signé des accords d'échange d'informations et même de prisonniers d'inculpés ils ont signé des gens qui parlent disent ah c'est vieux causé puisque Haïti c'est un pays qui vient prendre haïtien bénéficier de ça Serge Kassonje dans même moment il a arrêté Guy Philippe là gen un espagnol qui a arrêté en Espagne mais que la justice haïtienne t'a cherché la justice haïtienne présenté dossier mandé pour voir monsieur Vini monsieur dans prison ici là vous comprenez yo dépo yo fait monsieur Vini Espagne voyer le Vini dans cadre rapport Interpol parce que si les gars fait l'objet d'un mandat international depuis au juin ni il a pas arrêté même si l'espagnol il a voyé le baou vous comprenez oui nous avons espagnol dans prison là et nous yo t'est sorti note dans même moment Guy Philippe dis-le occupé c'est pas un extérieur Valérie là dis-le occupé oui c'est besoin garder ça oui donc Guy Philippe t'est fait l'objet d'un mandat international d'un mandat ouais dans opération dit il t'a fait yo dans pestel là si yo t'est joignement yo prend Guy là Serge m'ta d'accord avec ni à médecin parce que dié à quoi pas dit que le Karin arrêté moun ici à quoi pas dit ça mais par contre si c'est la police haïtienne qui a arrêté dans le cadre d'un mandat international que au Bali pour un citoyen ça son l'autre affaire et c'est dans cadre ça qui était arrêté mais c'est une autre histoire c'est pas de ça m'a parlé c'est parce que moi et citoyen ça rentré me parle baou Serge mettre fond tirer parce que me pas voulait perdre fil penser m'a parlé justement du Sénat de la République on t'a trouvé Sergo que dans bonne intervention que t'as faite le soir même de l'arrestation de Guy arrivé pendant toute une semaine deux semaines même on t'a trouvé c'est parce que m'étais assez courageux et c'est ça que m'étais hier m'étais l'homme non Pierre Espérance c'est un rare monde dans société a et c'est ça que fait vous pas appeler Pierre même Pierre t'a dit son bandit en moins c'est fini pour Guy mais tout le monde peint gain tant pour parler au préfet Marron parce que vous connaissez Guy qui une certaine popularité dans grand dans si passé bien facile comme sénateur et mon grand dans sorti pour craser briser il y a des nègres qui originaire de la grande danse même si c'est pas position yo yo obligé à la loge pour pas craser ca yo craser bagaille yo l'autre bon moi même m'étais prend courage moi à deux bras pour me dire ça me quoi ça me penser et me t'ai dit toute tempête ça moi là il y a trop hypocrisie la donne moi même tout me choqué les États-Unis à prendre mon ici mais c'est pas premier mon il prend me choqué depuis premier monde là rivé juste dernière mais malheureusement tout et me m'te meton dilemme sous table à tout. Moi te dis si Guy Philippe nan drogue vrai, si l'attaque commissariat au cas vrai le touyer policier. Est-ce que nous croyons que justice nous gagne journée aujourd'hui là? Ka mettre Guy Philippe en prison? Et ben là ou gagne preuve gagne de l'autre monde yo va ka mettre en prison toujours. Vous conscient de ça? Donc vous pensez que si le soir de l'arrestation de Guy c'était dans pénitencier national yo te menen Guy t'a fait un jour dans prison ça c'est soir mais il t'a rentré de force yo prendre et c'est autorité que t'a vite prendre encore donc moi dit le dilemme c'est que je suis contre le principe que Yankee a débarqué ici humilié compatriotes nous mettons en avion menottes au poignet a fait descendre fin monter redescendre venir faire photo pour faire plaisir pour envoyer sur WhatsApp montrer mais au prend baron et cetera on dit soit ça même de l'eau saute dans j'aime tellement indigné mais en même temps tout nous reconnaître c'est parce que nous chita mal qui fait abgarde en ban parce que nous pas grand justice date nous DCPJ
IGPN, tout gagnent et plainte contre comme si on gagne dossier enquête soit au commissariat des Cayo joine que c'est Guy qui principal responsable mais on pas arrêter. Donc ça veut dire nous conscient que nous avons justice qui faible devant ces deux monde nous pas gagne à faire fameux yeux bandés à vrai. Donc c'est mon inquiétude m'a dit avant nous faire bonne théâtre ça on a faire. Un, faut nous condamner le trafic illicite de stupéfiants. Parce que tout le temps dans la radio, ça m'a par exemple 11 ans même que je me vraiment pile parce que monsieur c'est une plus belle voix de la radio en Haïti. Monsieur t'as travaillé dans la galaxie, il vient dans la métropole qui fait bel spot. L'on passe sous l'aéroport pour avoir pour elle non, avec un rayon cocaïne de la fille Tintin. Il arrive dans ça. Donc ça veut dire faut qu'une société pas capable d'applaudir un monde quel que soit côté la psy mais drogue là pour applaudir. Et pas croire qu'un monde sérieux qui ca à l'aise pour défendre les drogues. Ça pas fait sens. Ça immoral. On pas prendre ça dans quelle société qui respecte tête li. Et me dit pas parler dans logique ça du tout. Donc c'était le grand dilemme. Mais si nous voulons estomaquer, on pas estomaquer pour Guy seulement. Valait lisse ça qui te rend public déjà, quand il était mounio déporté, quand il était mini-justice qui signe. Sénat même, moi Sénat était ridicule. Et me dit, Serge, le Sénat était ridicule. Il y a pour résolution, même trafic d'eau, il n'y a pas condamné la dame. C'est juste demander, il va le mettre mini-justice en accusation. Quelle aberration. Combien mini-justice va mettre en accusation? Même nous-mêmes, qui soi-disant majorité peut être calé, toi qui as ministre Matéli, justice qui s'est passée, tout si, hein, vous et mon allé tout. Donc, il faut que nous nous mettons tout en accusation sur qui basé, c'est Camille doit vous nous apprendre. Un chef police, son est capable d'occuper une fonction sensible. Capable de traquer trafiquant, l'arrêter un trafiquant, nous demander pour faire excuse publique pour ça. Quelle aberration! Par quoi le Sénat ni compte Zokiki, mon ami Patrice, je ne comprends pas bagaille ça. Et son solidarité sans sens, je ne peux pas faire solidarité dans le mal. Ça était vraiment estomaqué. Mais yo sorti résolution yo. Et puis qui est-ce qui sauve yo là? Pratiquement, Jovenel dans un certain sens. Parce que Jovenel c'est allié. Allié Guy Philippe, on fait campagne ensemble. Mais Jovenel connaît qui conséquence ça a gagné, résolution, elle va publier. Il pas publier, lui imagine au pays a une résolution publiée qui défend nos nègres qui sont chita là, l'ouvrir l'estomac li devant la justice américaine pour dire recevoir 1 million à 3 millions dans drogue, la sécurise confort, la brève à l'étranger, la fait transfert de fonds, la acheter car bagage, la ceci, li payer l'autre policier, on est qu'à faire tout à vue ça, et puis la République bon résolution. Yon na institution pis qui m'a rabdou pi illustre dans le pays, le Sénat, qui aurait les cotacaré la chambre des sages. Votons bagay pour défendre les citoyens. Et Valéa Beauplan dit un bagay que Valéa Beauplan a raison. Est-ce que journée aujourd'hui en Sénat, pas pral chita pour prendre une résolution pour demander peuple à pardon? Parce qu'il te demande pour nous demander peuple pardon. En fait, nous bien connaissons de demander pardon. Après, aveugle Philippe, est-ce que Sénat pardonne pour une résolution lui-même pour demander peuple à pardon? Qu'elle t'ait induit en erreur, parce que moi-même, écoute, ça c'est naïe. Yo co-dépositaire de la souveraineté nationale. Yo bon légitimité que nous déléguer ba yo-même. À travers les apages, c'est moi-même yo représenté. Donc si yo agit comme ça, pour un citoyen, yo pas même prend connaissance des faits. Jean yo yé, et puis ou chita tombe avec une résolution, tant qu'on moun fou, sans penser, et puis voilà que citoyen ça, qui était besoin pour une résolution pour lui, Alvin dit, monsieur, bêtise là, moi-même j'ai dit là, moi-même vendre ceci, moi-même toucher comme drogue, mais tout ça m'a fait ça comme drogue, et puis je dis, où vont résolution te prend pour lui, comme si, dans le temps de Sénat, ça va continuer de travailler sans le pas dire peuple rien,
Sego, mwen gen alèk vle di beti mo tou. Mwen bien kontan jan mwen a li an lin. Mwen bien kontan jan mwen a ban mwen au moins en motion. Ba bon motion. Fon fon jan avèk Alè. Motion sou ki sa? Ba bon salu a Alè. Salu a Alè. Alè koman nou yè dèk pa? Nou la jan mwen, mwen bien kontan. Alè lwi al, alè lwi al. Ok. Oui. Pour petit palais. Mm-hmm. Alors, on va bien, mais vous vous inquiétez sur un, parce que vous connaissez ce qui mental nous fait que des fois, et nous qui souvent, ce bagage qui est accessoire, qui est parlé, et pas parlé, bagage qui est fondamental. C'est essentiel. Et d'entre deux jeux, on va parler du silence maintenu sur la base. Une île adjacente reconnue par la Constitution, semi-autonomiste de 1801 de l'État louvertunien, de la Constitution haïtienne de 1806 et de celle de 1807, et rappelée article 8.1 Constitution 1987, qui dit que le territoire de la République d'Haïti est inviolable et ne peut être aliéné ni en tout ou en partie par aucun traité ou convention. Or, l'homme indagé, constitution haïtienne, n'a pas aucun côté. On y est le sénat qui est défini, et moi j'ai dit ça seulement, le sénat parlait. Il n'y a pas de courage pour une résolution, pour le dire, qu'il a continué la navale. Et c'est ça la question. Hein. Donc, maintenant, pour m'ouvrir l'autre volet, faut que nous mettons bémol, et bémol, c'est extrêmement important. Il va permettre que nous entrions dans d'autres considérations historiques. On connaît que le fils de Pablo Escobar est qu'on livre. Mm-hmm. Je dis que papa travaille pour la CIA. Mm-hmm. On connaît ça. Mm-hmm. Ok. Alors, nous voulons que Haïti comprenne que c'est la bagarre encore plus fondamentale. Quand on est au service de l'Empire, on va mettre tout. Yeah. Est-ce que ça crée des empires et politiciens? Et nous sommes capables même de remonter. Nous avons, par exemple, le général Dumas, qui a été très fidèle à la France républicaine. Et puis Napoléon, ça n'a pas liquidé de pensionner. Nous avons pris l'exemple de toute cette ouverture à cause de sa loyauté servile, nous parlons jusqu'au bout, mm-hmm. Et il l'a payé cher jusqu'à ce que le mourir au fond de nous. André Rigaud, même Magalhães, à cause de sa loyauté servile à la France, il a connu la déportation. Et peut-être accidentellement, comme je lui dis, à Souyo, qu'à quitter où, pour des besoins de commodité, en tant que boucher de guerre, il y a forqué de l'histoire avec Granou. Ok? Maintenant, vous n'épousez François, j'ai mouru à 10 ans, Espagne 1822 dans la misère. Dans tous les cas, les légionnaires aînés de l'Empire n'ont jamais le droit, sur le, n'ont jamais le mot final sur leurs conditions, ni leur sort, ni leur destination finale. Donc, comme pour Jean Quinard, comme pour Jean-Claude Paul, Michel François, Philippe, les options se limitent toujours, soit l'embarquement, l'empoisonnement, la déportation, le départ volontaire ou l'arrestation. C'est ça qui arrive quand on est au service de l'Empire. Et c'est ça que vous comprenez. Maintenant, yeah. On peut être au service de l'Empire pour une somme de raisons, notamment pour voler au secours de la restitution. Et c'est dans ça que vous comprenez là. Tête chargée. Alors, Alain, et vous avez tellement de choses pour nous parler, puisque les FM la guerre, nous parle pour nous. Comme nous ne pouvons pas planifier l'intervention, ça, et ça fait la pour si courte, je dis, hein, nous pouvons planifier certainement entre après demain ou bien vendredi. Nous avons toujours fait, et nous avons pris l'espace pour ça. Ok? Absolument. D'accord. Merci, Alain. Infiniment, d'accord. Alain. Alors, Serge, oui. Eh bien, je vous dis, salut. Salut toutes. Mon gars. On va me faire une mission pour vous. Vous trouvez 7-8 personnes entourées. C'est comme ça, c'est super sérieux. C'est tant mieux. Mais je vous dis, soyons sérieux. Sortons en confusion. Mm-hmm. C'est ou bien nous gagnons pays et nous décidons faire pays. Mm-hmm. Ou bien nous gagnons principe. Nous opiner et réagir par rapport à principe. Nous gagnons au pays, nous n'avons pas le droit d'accord que le monde a entré là-dedans. Parce que le premier point dans la diplomatie, ce diplomatie qui veut dire international, qui veut dire tout côté, c'est la réciprocité. Il n'a jamais été question de nous défendre. Philippe, parce que moi je ne connais pas Guy Philippe.
ni en peinte, ni en peinture. Et la déclaration matérielle, ça, non? Ni en peinte, ni en peinture. Et c'est je vais le dire, c'est belle par un diba, il va ça. Nous avons une position claire et précise. Non, on ne peut pas dire Serge Perry par contre Diba. Serge Perry par contre Diba et que le pas penser. Que le pas penser, absolument. Que le pas penser, absolument. Parce que je vous dis, il y a des cas en Haïti. Nous avons même vous, nous cherchez aux États-Unis pour jugement. Ce n'est pas qu'une complication pour nous. C'est l'idée de dire que c'est un peu comme vous pensez que l'opposition à quoi dire. Absolument. Et je dis bien, on sortit dans la confusion. Nous avons dit que nous-mêmes, nous avons dit que vous choquez, tout comme choqué, le nous pas prendre Jean-Claude Duvalier, nous saisit comme il était gagné, qui se prospère avril ou n'importe. Pour que ça, c'est les États-Unis, pour mettre en force, pour voir Jean-Claude Duvalier aller avec tout l'argent, il est le pire dans le pays, il n'est pas de 700 millions, etc. Donc, je suis choqué et je continue à choquer. Quand vous avez dit là, sauf que je suis choqué tout bon. Parce que moi-même, je crois sur le principe, clair, que je n'ai pas le droit de faire ça, vous voulez. Et c'est une question de Guy Philippe, pour moi-même. D'ailleurs, je dis ça, et avec tout danger, ça gagne pour moi. Je dis ça, Jean-Mona, dans le micro, là. Tout danger, ça gagne pour moi. Dans mon côté, en dans la médaille ici, défunte, en dans notre police actuelle, combien qui propre en ce sens? Non, c'est pas non, le débat. Moi, si c'est le débat. Non, c'est pas le débat. Si c'est le débat. C'est ça veut dire, c'est le débat parce que je ne vais jamais te mettre dans tête. Oui, c'est pas. Attendez, Jean-Mona, je ne vais jamais te mettre dans tête. Guy Philippe quitte Delma, Pétionville en même temps, comme deux communes. Que Guy Philippe quitte les Cap-Haïtiens, etc. Je ne vais jamais penser que la condition gagne pour ne pas la donner. Et pas oublier, Jean-Mona, pas oublier Ronald Reagan. Ronald Reagan prend l'argent drogue, cocaïne. Bon, non, non, Jean-Mona, laisse-moi terminer. Ronald Reagan prend. Moi, je ne vais pas dépasser le débat. Ronald Reagan prend là. Mais vous campez. Bobo, Ronald Reagan comme super président des États-Unis. Ronald Reagan prend l'argent, drogue, cocaïne. Il change comme là. Lâchez les Zamanian, il y a sa contre-guette, il y a sa Iran-guette. C'est comme ça, Libye, contre-Nicaragua, pour gourmet, pour faire sabotage contre Sandinistes. C'est-à-dire que, donc ça, c'est gérer aussi le droit, vous-même. Vous faites ça, vous voulez avec qui? Par rapport à nous. Même pas de jeune d'abdé, Franck Philippe, c'est innocent ou non coupable. C'est pas ça qui est intéressant. C'est que le droit, il va gagner dans le pays. Il va gagner le droit pour entrer dans le pays. Après, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit pour entrer dans le pays. Ok, Serge. Oui, vous avez fait coller dans Kimounouye dimanche. Mais si ça, c'est espace PAM. Vous avez besoin d'une piafé là, genre piafé. Et puis là, vous jouez très intelligent. Serrette Michel, moi, un message. Je ne te parle de où? Comme vous écrivez tout, disait de où? Parler, c'est un avocat haïtien qui a en Floride, qui a collaboré à l'équipe Guy Philippe. Là, je parle de lui, je ne vais pas citer non, beaucoup lit tout le message lié, même senti qu'il y a un pile là, il n'est pas d'accord, même c'est normal. Oui, c'est bon, je ne parle pas, mais je vais aborder des questions. Je ne vais pas aborder des questions. Vous faites même hypocrisie Sénat là. Même hypocrisie. C'est ça la question. Même pas vous avez dit là, nous pas besoin de venir faire au grand monde. Et nous faisons même hypocrisie. Principe. Nous faisons même hypocrisie Sénat. Principe. Si nous faisons où, nous mettons chauffer autorité pour dénoncer à quoi. C'est ça que vous faites. Et pas parler en pile, non? Dit États-Unis, résolution Sénat, même de quoi résolution Sénat, les États-Unis de nous avoir fait. Donc, où sont les résolutions? Non, c'est normal que vous puissiez. C'est une question principale. Nous ne parlons pas de débattre l'aile, blé, tout le monde a caillou. D'abord, à pauvre, il va là. Est-ce que d'accord avec trafic drogue? Pardon? Vous soutenez trafic drogue? Moi, je dis où, ma prédio. On par contre, Guy Philippe. Ni en pète, ni en pète. Moi, pas en affaire avec personne qui a fait comme la mauvaise condition. Ah non, c'est qu'on dit ça là. Mais c'est ça que je voulais dire justement. Non, mais c'est ça. Pour défendre, vous voulez dire, c'est pas lui seul. Moi, je dis principe.
Bon, moi-même, c'est ça, votre homme dit la haute et intelligible. Bon, moi, c'est qu'on l'aime pas pour qui c'est en colère. Et citoyens sont passés aux aveux, lui dit tout grimace qu'elle fait. Vous comprenez, moi, ça pas choco. Ça pas, ça pas, c'est une attitude immorale. Ça pas étonné du tout. Une attitude est immorale pour pas dénoncer le fait que, en tant que pays, nous avons une institution qui doit voir de vrais bons signaux par le pays, les pro-résolutions pour supporter on dit les droits, ou même c'est affaire ingérence, etc. Alors même pas, ouais, pas avec ces ouais, bons ingérences. Non, Jamona, je ne vais pas aller, pas avec ces bons ingérences, Jamona. Ou choqué à moitié, mais à un quart. Non, c'est une question de principe, principe pays. On va choquer pour immoralité. On va étonner. On va étonner la Guy Philippe fait ça, on va étonner, parce que ça, c'est le contraire qui m'aurait étonné. Qui on est qui dans la police ça là haut dans hauteur ça, qui on est qui dans la médaille ça, c'est le contraire qui m'aurait étonné. Ça va nous même n'appelle parce que c'est l'homme doit on seul nous quand qui pas dans la donne. Tous les deux. C'est ça qui m'aurait étonné. Mais nous même moi même pas comprendre. Nous même sont choqués à son bagage nous les gens pour le régler. Nous même c'est là après nous pour régler. Pour qui ça? Beaucoup. OK. Jovenel gen majorité là bas. Mm-hmm. Pour qui ça nous tout avec majorité ça nous pas dit bon on a dénoncé à quoi? Ou pas besoin de faire correr ça a fait tension monter non? Il facile ou dénoncer. Et pour saute la donne. Ou pas qu'on ait traité accord international depuis deux monde qui s'y y ont dénoncé il va valable. Ou pas comme ça? Ou bien comme ça on va. Et puis qu'on ait moins fait oui ça la fait hypocrisie ça. Ou bien je dénonce. Ou bien nous clair sur les principes ou bien nous compter ou bien pas gagne. Qui sauve? Ou bien principe ou bien principe. Ou fait pays ou fait pays. On va vler pour ça nous même président, le président m'a venir avec ou venir avec. Et puis là au projet que dit aller là. Nous pas même les mêmes bagages, les mêmes bagages, on parle ingérence. Vous avez pas l'ingérence. Là au projet prend Jean-Claude dit aller. Dans la France là, il met en vie. Mais ça va pas aller à moi-même. Qui ça? Là, on prend Jean-Claude, je vais dans l'avion aller, on va, on fait ça, il y a sûr qu'on en fuit avec Avril Ladan. Ouais, n'est-ce pas, yo? Mais question qu'a parlé. Ouais, c'est go. Il est où ça suspend? Ouais, c'est go. Son socialiste fatigué. Son révolutionnaire. Attendez, un faux révolutionnaire. Bluffeur comme lui seul. On va le dire pour qui ça? Oui, dis-nous pour qui ça, Jean-Monard. Ouais, lui-même qu'a dénoncé, il vient prendre, il va le faire préval. Mais la prière bon Dieu pour blanc vient nous faire préval pour lui. Non. Ah, ça go. Jean-Mona. Moi, ma voix chaque jour là. Jean-Mona me dit. Sans dénoncer, ou qu'on arrive là, on parle de régime, ou on demande pour blanc vient prendre. Non, on l'a suivi. La blanc vient prendre, non. Et nous demandons de venir prendre. Jean-Mona, pas de l'air. L'air vient prendre Aristide là. Et dans ce. Jean-Mona, pas de l'air. L'air américain vient prendre Aristide. Jean-Mona, pas même d'accord pour blanc de venir retirer Michel François à ses grâces. Parce que nous-mêmes, nous avons courage, nous. Et nous travaillons pour ça. Et nous travaillons pour ça à l'époque. Organiser le peuple là pour ça à l'époque. Mané Washington, nous discutons pour ça. Et bien, Jean-Mona, c'est droit pour Dieu. Menti, ou t'es contre Préval là, ou pas de l'avion. Si on dit avion sous piste là, oui, bah, lui-même t'as fait zin, oui, à chercher contre si gros avion sous piste. Serge Pierre, la cause. Moi, et nous t'es gagné rendez-vous avec syndicaliste privé. Anti-Jean Retard, il y a un prétexte blocus, Edner Bamouin, Bacon Sil Kembe, alors Edner Meris avec Jacques Anderson de Roche en Samarin, monsieur Comanouye, et Nabral Géré Titan rapidement, qu'on ait en pile préoccupation concernant le secteur SAA avec. On a dit rumeur qui est plus que persistante face à la difficulté économique l'État a gagné et ont prétendu monter prix et l'essence sur le marché international. Il a quand même envisagé ça. Donc comment nous voyons la question rapidement? Et j'aimerais m'absaluer tous les syndicalistes qui sont dans quatre pays et qui ont une grande mobilisation à faire là pour contrer l'État. Où se dit qu'on prétention, oui, effectivement, qu'on prétention. Et nous-mêmes, comme haïtiens, comme j'aimerais me dire, comme petite légitime Papa Dessalines, nous tenons compte des déficits où l'État m'a gagné.
Mais je dis à nous, nous avons fait difficile au niveau secteur, secteur syndical, la partie de transport. Mais je parle dans notre mouvement unifié des transporteurs haïtiens. Nous avons proposé, président Jovenel Moïse, de nouvelles alternatives qui permettent de compenser ça en termes de déficit. Donc je dis à fond clair, nous ne pouvons pas monter en quête disponible. Et pas c'est nous travaillons plus l'autre essence en Haïti sur quelque chose. Il y a à peu près 800 000 motos en Haïti, je veux dire, pas une plaque, pas gassurance, pas gain licence. L'offre, si vous avez un grain de moto, ça va 800 dollars, ou bien 750 dollars, l'offre, c'est 800 dollars, là, plusieurs milliards de gouttes. De l'autre côté, ou même au Sénégal d'ailleurs, même au Sénégal d'ailleurs, on a vu le professeur machine par les plaques, il va faire assurance pour eux. Parce que service, par les services de proximité de domaine ça. Et on vient garder ou AVCT comme outil qui t'a pour assurance, malgré si on assurance contre a dénoncé longtemps, parce que nous on a fait on assurance multi-optionnelle ou bien multidimensionnelle, côté on est car pour faire l'assurance machine. Comme ça, on a décidé d'assurer un bon. On oui, certainement. On est qui vont machine l'acheter pour 52 000 dollars. Mais m'a parlé dans Camoun, Cap Fessemac, Cap Fégoraïve, Tibusio, Jean-Louis et Papa Rapio. Imaginons, on avait cédé pour la main, on 3 4 000 piastres. Les machines ont crasé. Dans ma compte, qui c'est pour le relais? Parce qu'en Haïti, pas grand, presque banque qui peut assurer machine. Pas de route, pas grand rien. Il y a pile de risque dans le domaine ça. Et je dis à nos victimes, dernier monde de ville, là, vous me dites, la pote plainte, là déjà, nous déjà commencé à t'amener des machos. Contre l'État ici, parce que nous avons des machines qui boulent écrasées à Kaye. Et je dis à. Président Jovenel entre dans une dynamique pour monter gaz. Nous dire clair, n'importe ça qui fait comme addition sur gaz là, c'est une inadéquation dans la question de la vie. Parce que nous ne pouvons pas cacher de l'acheter manger dans 4 000 la zone rurale. Nous-mêmes, nous défendons les transporteurs, nous avons de l'autre méthode qui permet de compenser la question ça. Et je pense que je dis à. Et au niveau palais national, j'en ai tout connu, c'est pas un groupe pour être. Et gardez les nègres qui sont anciens ministres finances, et je dis à qui c'est chef cabinet, et nous t'es contraints en 2015 parce que vous avez réagi autrement, je dis à la continuer de contraindre, pour nous dire, nous défendons une majorité importante dans le pays, et nous-mêmes nous prenons engagement pour nous dire l'État, mais qui ça va faire. Je dis à par exemple 15 outils qui ont régularisé le transport. Dernièrement, il y a un accident qui fait dans le grand sud là, il y a un monde qui mourit parce que y a une direction qui marre à côté de bâtiment. Parce que par quelle autorité cap régulariser le transport routier? Gen semana pour le transport maritime, gen ouf na poirier, je dis à pas quel outil dans question ça. Nous proposons le président Jovenel pour le créer et nous avons un texte de loi qui écrit pour voir son amène. Nous, comme nous pas ni parlementaire, ni président, nous pas qu'à faire proposition, nous soumettre à n'importe qui veut pour nous soumettre. Nous avons un expert qui travaille avec la question ça. Je dis à le texte de loi qui vote en 2008 pour gestion collectivité, particulièrement question la mine. Nous connaissons un mairie, c'est un pays en miniature. Donc, on m'a ici à son président en miniature. Il a pris toute décision de ce commune. Mais par exemple, nous sommes jeudi, moi, j'ai plus le respect. Moi, c'est pays à estime en pile, mais je dis, on pouvait la prendre des décisions arbitraires. Même j'en appelle sur ville, il y a bail de contravention. Nous-mêmes, nous estimons que pas correct. La demande de tout chauffeur machine, on va tirer demain pour aller à la locale, là, où il y a le niveau 58 là, pour y aller porter plainte. Et en attendant, nous faisons des démarches qui vont permettre de tirer contre la sociale. Mais raison fondamentale, là, Jamo, c'est que gaz gap nous trouvons ça sur femme. Et au niveau secteur syndical, là, nous pas prêts pour nous collaborer dans la question ça. Et nous avons proposé le président Jovenel, qui est président PAM, président tout haïtien. Mais parce que même haïtien, c'est même gagné de position contre la CLI sur le plan politique. Mais comme syndicaliste, c'est président, même haïtien avant tout. Donc pour nous dire clair, nous avons de l'autre alternative qui va permettre de commencer de passer. Et je dis à. Depuis gaz. Moto avec machine qui va faire pas assurance sur le pays. Secrétaire d'État sécurité publique, là, qui a travaillé sur quelque chose à tout. Parce qu'il a prédit le phénomène de sécurité. Imaginons, majorité moto qui a souterrain, ils viennent dans la pièce détachée, ils vont arriver à quel côté, et ils ont fait trafic. Ils ont stoppé les gens, pas d'école de conduite, pas d'argent du tout. Tout ça, m'a dit, là, on a des outils qui permettent de régulariser la question de transport. L'autre bail, pour finir, parce que Kamad va prendre parler, nous avons l'autre bail nous proposer qui c'est les outils que les sécurités sociales. Et ou même ou levé en Haïti, même levé là, majorité mon capitaine des Haïtiens qui l'a capitaine, connaît ça m'a dit à bien. Gena qui fait 20 ans, 25 ans d'apport du machine, l'elle plan mourir dans la mendicité. Parce que lui servit ingénieur, docteur agronome, lui commande dans toute ville province. C'est lui pour tout le monde. Donc l'État va en tenir compte de ça, il n'y a pas valorisé et normalisé. Question ça, l'homme n'a pas du machine. L'on est médecin respecteur parce qu'on est à l'université. L'on est décidé conducteur. Différents avec nos machines privées, capote moun, capote manger. Donc, faut d'accord, pays a normalisé ça comme profession, et puis, faut nous rentrer dans le cadre légal, pour dire, mais qui moun qui a fait transformer comment l'a fait? Edlin, on allait, pas rien trop de temps. Bon, oui, Jean-Madame, salut, moi, salut Lovensky, moi, salut toute fidèle auditeur intersection, moi, salut toute syndicaliste. Conséquent, camarade, nous dit que le bénissoir, moi, salut, et moi, c'est de son bataille, qui commençait. Bon, moi, conscient que,
gagne un match de déficit, que l'État a gagné avec près de 9 milliards de gouttes. Et je pense que par rapport à l'expert nous consulter la question finance publique, nous avons jusqu'à septembre de 14 à 14 milliards. Je pense que je dis là, il y a un pile manque à gagner que l'État a gagné sur ensemble de bagailles. La fin de l'État, c'est retard sous prévision. C'est retard sous prévision. Et par rapport à avec modèle Mountou, qui a vu l'avant-gardiste, qui pas créé confiance. Parce que tout ça, tout, le besoin de l'État fonctionner, le besoin de la population accompagner dans la décision. Parce que des gens qui ont mis comme arrière central dans l'équipe, ils ont perdu la gagne. Et que des gens tout, les mêmes les amener plus confiance, ils permettent que les gens capables de bon dialogue sincère qui fait. Même moi, pense que. Mais c'est un ministre financier, une expérience. Bon, mon cher, nous ne pouvons pas entrer dans trop de détails. Et par rapport à Camarade Anderson, parce que le pays a moins de journées, je là, il y a des chiffons pour nous tabouler. Mais il y a des gens tout, il y a des cicatrices qui sont dans l'esprit, mais il y a beaucoup prêts pour l'effacer par rapport à ça qui est comme goy. Mais je pense que dans le niveau pays, il y a des gens qui ont dit que tu as parlé, côté que pour chaque secteur qui concerne nous, ça n'est le dialogue sectoriel, c'est un dialogue qui fait un dialogue qui concerne une sincérité là, nous c'est un dialogue des amis. Par exemple, nous avons un grand pile d'intervention qui a commencé à faire, mais nous avons un groupe majorité, nous sommes capables de dire maintenant. Pourquoi même une invitation formelle qui fait avec nous? Et nous avons un local, dans Pétionville, qui a une adresse respective, que tout le monde connaît. Qui a des problèmes avec nous, parce que nous avons contraint la décision. Si bah, la pas logique, nous ne pouvons pas entrer là-dedans. Et je dis à M. Claire, Marie Sao l'a éliminé. Mais nous, la population, va prendre note. Non, faut une clé sur lui. Moi, d'accord, et c'est ça qui permet tout. Syndicaliste, c'est de monde qui ouvre au dialogue. Et c'est ça qui permet. Pas fermer porte la net. Pas fermer porte au dialogue. Parce que nous pas des extrémistes. Nous sommes des citoyens qui engagent. Nous avons des revendications que nous devons porter à mettre sous table là. À partir des revendications, ça y est. Et nous-mêmes nous connaissons. Par exemple, si nous devons défendre le syndical, nous devons défendre le travail. Il faut que nous défendions l'intérêt patronat. Parce que patron, si pas de travail. Et c'est ça qui permet tout. Nous-mêmes nous reconnaissons tout. L'État, c'est l'État qui gagne plus le manquement là-dedans. Et qui ensemble des gens tout dans l'État tout qui prend des décisions maladroites. Et c'est ça qui permet tout. Nous disons ça y est. Là où vient faire l'État, c'est pour bagaille clanique lié. C'est un engagement qui concerne les vies, qui concerne les vies pour c'est mandat bon. Et c'est mandat qui nous baou. Et là, nous avons un mandat tout. Faut que l'argent tout le monde dans le monde, nous ne constater tous ces gagots en faveur. Parce que ça là dedans tout. Parce que il y a des gens qui ont des prélèvements de taxes qui ont fait, des pressions fiscales qui ont fait. Mais il y a des citoyens tout qui ont constaté tout ça opposé comme acte. Est-ce que ça a du besoin que c'est lui qui va avec lui et c'est ça nous mêmes et c'est ça nous méfiance tout qui est capable de permettre nous mêmes comme citoyens m'accompagner aux décisions les la prendre et guider mon tout les vins devant tout les pas venir au gang venir manquer des gars. Parce que l'on est capable cultiver des personnalités dans l'esprit, c'est celle qui vient savoir. Tout le monde qui en face, ce sont des imbéciles. Parce qu'il n'y a pas même un but que des citoyens qui engagent, des gens qui consultent ensemble des exercices, qui avisent nos sociétés, qui des avant-gardistes sociétaires, que vous devez considérer. Même si vous n'avez pas de problème avec nous, mais au moins un minimum de respect pour les gens qui sont en face. Ou pas sous-traiter les gens. Et tant que c'est des gens, c'est des vanipiers qui sont en face. Moi, je pense que c'est des bagailles qui sont capables de permettre que la société à un niveau nous malade là. Parce que les problèmes sont immenses. Parce que les gens constatent ça qui passe à l'hôpital général. Professeur de l'école qui va faire grève. Parce que il y a deux catégories de gens dans la société qui coïncident. Ou un chauffeur machine avec professeur de l'école, c'est deux gens qui ont fini même genre. Les honneurs vieux jouent, il n'y a pas de monde qui pouvait jouer sur eux. Le professeur lui-même qui a accompagné, qui a permettre qu'il y ait peine de l'instruction. Le professeur lui-même et chauffeur qui a mené à recevoir peine de l'instruction. Pas grand qui tourne vite. Alors, j'ai eu le mot de la fin parce que comme pour auditeur. Le mot de la fin, c'est son commencement. Nous sommes en face de nous et en face au système, nous tout le temps ça gagne la donne. Même pas critiquer nous, même pas faire de proposition. Au niveau secteur syndical, la proposition a fait. D'après dit syndical, qui dans quatre compagnies avec mobiliser tant de mots d'ordre et n'a dit président journal n'a tout exhorté lui si la prend route les vélo prend c'est lui qui a cassé dans parce que nos mobilisations a fait sur tout pays et n'a contraint ni par rapport à la décision ça donc si vous comprenez la prédécision de manière unilatérale pour comprendre ni pas contraindre population entre nos logiques qui pas bon vouloir laisse à celui qui a victime comme président de la république mais nous souhaitons que la république en fait côté tout le monde qui a vivre comme monde et bien laisse à nous souhaiter dialogue secteur la palais. Donc, quoi le fait? Mais je ne te dis, je dis dans l'intersection, nous, pèlerinage médiatique.
N'attendez de voir sur toute radio, dans tout pays, net, pour nous dire, nous avons de l'autre alternative. Nous proposé qui va permettre de compenser les pensions. Et j'ai la prendre décision, si nous continuons pour comme ça, mobilisation fatale pour lui. Pour nous finir, nous sommes jeudi, comme Maïssa Adelma, Maïssa Petionville là, nous souhaitons mettre l'honneur du vin et permettre de chiter à syndicalisme pour nous sortir de crise, parce que ça qui a fait de l'homme, pas bon. Nous ne sommes pas qu'à décider de mettre nous dans le chômage, payer par le travail. Secteur syndical là, particulièrement le transport, c'est le secteur qui est le plus de job en Haïti. On machine d'affaires qui a gagné 6 moun. Donc on est qui dans moto minimum, il y a 2 à 3 moun manger par jour. Ça veut dire, secteur ça joue, contre le monde fait activité trafic en Haïti, c'est de beaucoup nous voyons dans le chômage. Déjà, pas de job, il faut nous sortir, mais il faut nous joindre comme citoyen. Nous ne pouvons pas gagner notre bon. D'accord, monsieur, merci, bonne chance. Mais, sans transition, on a pris un auditeur. 28 13 94 52 53 56 et puis 33 84 22 22. International, là, c'est 305 964 08 75. Allô, bonsoir. Oui, allô. Comment vous êtes? Et j'ai mon âme, Moussaki. Et Moussaki, et capitaine de Radio Caraïbes, même si je ne m'a pas dit une petite tension, mais je pense que c'est difficile. Et je tout le monde comprendre. Radio a grand fil, c'est difficile là-dedans. L'on va passer son sens tout gain. Et nous saluons tout le monde par nous. Et nous pas bien ça, parce que les gens qui ont fait l'émission, c'est mon assel tellement le fait, il va pas respecter tellement vrai, parce que 30 minutes là, vraiment. Ah, c'est plus épuisant de dire qu'il me respecte. Bon, et moi je pense que on s'y tient difficile de mon âme. Mais, on nous dit très clairement, nous connaissons ton âme qui a une vision. Et si on a un bagage qui fait tout le monde, j'ai respect pour vous, même si mon âme voulait manger ou, voulait faire ou salver, mais il connaît l'objectivité ou qu'on s'y calade. Mais nous ne pas prêter là pour nous dire très clairement, c'est pas ici après si je ne suis pas ici parce que, même pas c'est en 2015, 2014-2015, je dis à nous pas ouais. Et Vince Daniel qui pousse nous toute la vérité, même qu'on est pas Guy Philippe, l'a dit toute la vérité. Et Mbakwel ta réussi idiot pour ta pensée le bras prend juste en prison ou du moins ta y'a balia pour contre lui, sans que moun kap joui là aujourd'hui, à que yon n'en parle national, que yon n'en mouri, que yon n'importe côté yon y'a. Pour yon pas, pour le patin, pour yon pas, pour yon pas, pour yon justice. Parce que tribulation n'a passé là, dans le camp, pour la misère, dans toute qualité bagaille. Là, imagine aujourd'hui à Jamouna, on l'état qui nous machine, et un premier ministre, on cortège un premier ministre qui parle d'autre, et puis, l'irrivé nos zones, il tellement pourri, et bien le crasé des mouns, il pas même ouest ça, même rester ou pas rester. Ça veut dire qu'ils sont l'État qui, sensiblement, sont l'État nous quasi, et qui ont l'État à vitesse. Parce que l'un de l'État à vitesse, là, comme on comprend, ça me dit. Comme on a pourri, mais il n'y a pas de destination, la pourri, pour le faire tel ou tel bagaille, qui n'a objectif climat intérêt. Mais, là, imagine, quel que soit million de gouttes, je prends le bail maman, ça, on moun qui a un petit monde qui a 15 ans, il a déjà fini passer trois misères avec elle déjà, et il est bon matin, on machine, on cortège, on premier ministre qui t'a doué là, pour surveiller, pour épargner, pour éviter qu'on soit déjà. Eh bien, qu'on y a, il décide pour retirer la vie qui nous a, dans mes familles, dans mes mamans, dans mes papas, dans mes tout l'autre compatriotes, les amis, et après. Oui. Pour qu'on s'agit d'une dixième dans la là, c'est lorsque notre la sorti dans la primature, et puis notre la dit comme ça, ils attendaient, le premier ministre attendait, ils étaient pour accident. C'est là que vous pouvez me. Et c'est là tout, n'a pas montré nous, n'est-ce pas, c'est bien n'est-ce qui fait partie des colonnes. D'accord, merci. A nous pour les amis, allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir, c'est là.
Comment nous y est, Veraldo? Non, comme j'aime là. Et après, quand tu finis, oui, mais... Moi, j'avais les petits mots. Vous devez les lever sur vous. Vous avez les petits mots là. Vous avez les quatre. Va grave. Non, ça, 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 ici. Bon. Et j'aime là, vous dites, Eric, quand tu as trop négatif, l'on a les négatifs là où tout est, il y a où il y a les autres négatifs là où tout. Parce que moi, je me constate les fausses attractions. Mais il y a un problème où critiquer, non? Mais je me dis, pourquoi vous passez un jour pour ne pas être pour ça? Vous êtes d'accord. Moi, vous-même, vous êtes d'accord pour vous faire équilibre là. Vous dites, ah bon, et caravane là, c'est que vous êtes tel, 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 vous êtes capable de faire une histoire. Vous montrez, quand il y a un problème, si vous êtes tel, vous êtes capable de faire une solution. Mais elle n'a pas votre solution même. Ou accident de toi, accident c'est mon âge. C'est mon âge, ou même qu'on a le professeur mon âge. Non, non, on n'a pas dit ça. Accident, c'est accident, mais c'est. Alors, je dis, si quand tu as l'île qui t'est mon âge, c'est ça que tu as. Au contraire, c'est le premier qui est mon âge à l'hôpital, au Fatma, au CAI. La dernière, il y a une qui fait l'origine de l'hôpital, c'est le Fatma, il y a une qui fait l'hôpital. Ça veut dire, là, même accident de toi, c'est mon chauffeur, il y a toujours mon âge. Avant là, ça m'a été arrivé, comme son équipage en pays de vitesse, nous fixons nos tours, on a passé tout fond national. J'ai dit, nous sommes l'école, des adolescents, même si par exemple, nous avons fait des missions, quand j'ai fait adolescent, nous 8 ans, 9 ans, si nous avons fait des missions, 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 c'est un plus gros erreur que le gouvernement a fait. Moi-même, on était quoi, Agonome William? Moi-même, je connais le visage d'Agonome William, beaucoup le connaissent. Moi, même connais le visage. Ça veut dire que je ne pas passer pour Agonome, je ne parle pas. Mais tout chaque jour, Agonome n'a pas de agriculture dans le pays. Et pour mettre pas dans la même position politique à Agonome, on ne va pas parler même. Ça veut dire que c'est des bagages qui sont diables. C'est des bagages qui sont ou mettez ou posez ou vous avez un résultat. Mais, mon Jovenel Moïse, il y a des gens qui allons, mon Jovenel, qui a fait des radios pour lui, mais Doré, Ibéris, Erivo, mais c'est ça qui a fait des radios pour le président. Mais, c'est qu'à respirer, président Agonome William, pour que le président des caravanes, ton bagage est sérieux ici. Mais c'est, l'Agonome William va parler, on va te faire mille avant, là, si c'est calé pour ton président de la radio. On est encore Agonome William, on passe sur la caravane, c'est un bagage qui passe, c'est soit. Et là, il s'est parlé de l'émission de Jamona, où est tout bon. Après, il s'est mis à gommer avec ma table. C'est dommage. Il s'est dit, mais c'est en allant à l'agriculture, dans le bagage de ses mains. Il s'est mis à ses mains sur le point. Et là, ça a encore un exemple de politique. Après, même le bagage est politique, ça a été fait. Il s'est placé des mots. Et dans le plateau, il s'est corrigé. Mais où est-ce que ton aigle, c'est l'agriculture, il a dit quoi? Et où est-ce que quel soit le monde, quel soit le gouvernement qui a un projet agriculture dans le pays? Ou t'as-tu pas de faire appel avec Agonome William pour jouer cette ici, au moins pour nous sentir que y a un changement de côté. Et ma libérer ça avec Doré, si pas j'aime trop pour bien faire, comme quand avant nous commencer, mais le président, si il y a Agonome William, mettez Agonome William là, pour mettre cette ici, parce que tout le monde qui a la retraite, pas qu'on est qui devient trop riche, ou dit ça, on est qui a la retraite, on est qui devient riche. Mais prenez cette ici, faire venir. D'accord, Evaldo, merci papa, merci. Allons bah au dernier auditeur. Allô, bonsoir, on passe. Allô, bonsoir. Allô. 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 Oui, oui. Je me demande comment vous êtes. En forme. Moi, je suis là depuis le fond des mecs. Ah, ok. Tout bien en forme. Oui, oui. Moi, je suis là depuis le fond des mecs. Je suis là au début. Je vais reprendre tout le jeu de Philippe. Gat, tu remplis lui là. Émission demain. Ok, parce qu'il est en 30. Émission demain. Merci, merci, merci. Je vais prendre le nom avant, mais je vais le faire. L'affaire, l'affaire. D'accord, en forme. D'accord, merci tout le monde. Merci. John Anderson de Roche, merci Edner, mais Akaïdo, viens ça. Ok. Alors merci tout le monde, nous quittons avec Shilov Perrin. Shilov, maintenant de sortir 10 ou mais sinon j'en te baille, je vais ça comme fini. Bye bye tout le monde.